C'est, tu me demandes une astuce ou tu veux me donner une astuce? Si tu veux me donner une astuce, est-ce que je t'ai déjà dit oui? Est-ce que tu m'as, vous m'avez déjà entendu dire oui à ça, Titi? Non, je foutez-moi la paix, laissez-moi découvrir le jeu. Est-ce que la question c'est est-ce que les ballpines, si on laisse popper les mobs, est-ce qu'au bout d'un moment c'est des orgueilles qui pop, tu sais? Ah, par contre, celle de droite, ça a rien de la laisser, c'est un. Ouais, un squelette. Ouais. Ah, vous êtes en train de farmer un village de droit. Non, 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 non. une. Je vais au mar... En fait, les marécages que j'ai trouvés hier. D'accord. Ok, c'est bon, ça c'est mort. Sans sucer, rien à foutre. J'ai trouvé des crêpes, des crêpes et tout. Y a plus de squelette. Je vais juste le tuer. Ah putain, mais y'a un truc qui m'a bump! Bon, alors niveau bouffe, on en est où? On a full saucisse. Saucisse, on est vraiment bien. Ce qu'il nous faut, c'est du serpent, clairement. Allez. Le serpent, c'est vraiment ce qui va manquer. Plus de navet non plus. Bonjour, Tsuko. Body pile. Salut, Hein? Mais Vanoff. je une flèche d'où? Pardon? Ah. Oh? Il y a un mob. Ok, il y a un mob dans le caillou. Ah oui, comme d'attends, mais le. Ça, on peut résoudre. Pourquoi il me fait pas de dégâts, moi? Et c'est pas. On peut pas le péter, ce caillou, en plus. C'est débile. Hop. Oh, j'ai Barre. plus de 10 On se points de barre, on se barre, on vie. se barre, on se barre. Ouais, tu t'es fait éclater. Oh, Ah, putain, il t'a défoncé. mais je vois pas les flèches partir. Hein. Ça c'est l'early access, ça, par exemple. Ça, c'est du bon early access, ça. Ça, c'est pas de. Bah, je t'attends après. On est vraiment à l'entrée du marécage, hein. Ce sera pas trop chiant, on va Ouais, dire. C'est un peu long, mais c'est pas trop chiant. je vais reprendre en même temps de quoi faire un portail. Bonne idée. Très bonne idée. J'avoue. Et au pire, ce portail s'appellera pourquoi? On faudra annuler celui-ci et on fera plutôt l'autre. Et on verra si on peut pas choper la mer, par exemple, là où je ping actuellement. Ce sera plus proche, en fait. On verra ça. Faudra qu'on aille explorer la côte. Salut Jacobi, salut Vaneuf, bonjour à tous les arrivants. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors. Devenir avec Azedos. Bah, je vais essayer de faire un peu de bouffe. Vas-y, vas-y. Marche. Genre, là, je vais récolter les navets et tout. Mais c'est fou que les deux. Moi, je suis toujours perturbé que les deux massues fassent les mêmes dégâts. Je te crois, hein, c'est justement dans le sens où je m'attendais à un truc à deux mains qui fasse vachement plus de dégâts. Quoi. En plus, il faut les chairs d'Ymir et tout. Qu'est-ce que. Enfin, c'est un truc rare, tu vois. Après, le truc, c'est qu'effectivement, la demain, elle fait des dégâts de zone. À voir. Et c'est pas J'ai la jamais gueule. utilisé arme de main, il n'y a que le Bristère, mais ses attaques sont en spécial au Bristère pour le coup. Ben, je pense que c'est le même type que le Brister. Justement. Je pense que c'est la masse à deux mains, ça doit être comme le Brister. Donc ça fait les Peut-être. mêmes dégâts. Donc c'est pas dégueu en soi. Parce que si c'est les mêmes dégâts que la masse à une main de zone. En zone, ouais, parce que le Bristère, on s'est manqué vraiment. Hein. C'était au Non, mais moins c'est ça, 3 voilà. coups. Donc Si je peux tout imagine le shot, ça Brister, c'est mais tu bien. fais aussi mal Ouais. que la masse de fer. Là, ok. Mais Là. du coup, tu auras moins de DPS sur du mono-cible, mais par contre, niveau hâte, tu vas les exploser. Ah oui, bah il pop des trucs d'éruption quoi. Ah ouais, Tuco, t'as pas kiffé toi? Ça marche. Bah écoute, on pensait la faire à l'occasion, je testerai quand même pas un problème. Alors, rien à voir les viewers, je viens d'avoir un message de Liz de New World. Elle me dit, elle demande qu'il me demandait si j'étais chez moi demain. Ils ont peut-être trouvé enfin une manière de m'envoyer le colis. Pour la petite blague, ils essaient de m'envoyer le colis New World depuis août 2020. Hein, c'est. Vont-ils y arriver? Vous le saurez au prochain épisode. Tout est possible. Tout est possible. En parlant de New World, est-ce que vous avez vu qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, comme l'indique mon titre, point d'exclamation New World, Bonjour. et qui cartonne déjà pas mal, hein. Vous êtes assez chaud. Je crois qu'elle fait un des meilleurs démarrages pour l'instant. Ah non, deuxième meilleur démarrage derrière l'autre vidéo New World d'ailleurs. Mais bon, ça reste quand même un démarrage tout à fait honorable. Alors, il est où Moumoun? Ok, il arrive. Pas de soucis. Putain! Salut, Akabax, comment vas-tu? Bonjour à toi. Est-ce que j'ai les merdes à dégager? Oui, plein de merdes à dégager, moi. Ça va, Zef.
Ah, t'étais là, Zelos, ouais, quand on a fait les trucs d'endu? Enfin, quand je te disais qu'on avait les trucs d'endu. Je viens de les récupérer. Ok. Parce que je sais toujours pas, par contre, si on peut bel et bien les cumuler. Parce qu'en gros, quand tu utilises la fiole d'endu, t'as une croix, mais qui ressemble à une fiole d'endu. Donc, je sais pas si on verra avec le truc de poison, écoute. Mais j'ai essayé, j'en ai... non, c'est pas... C'était... Zara qui m'avait laissé une, j'ai testé. En fait, ça te remonte ton endu d'un seul coup. Oui, c'est Mais ça. c'est-à-dire que pendant 1 minute ou deux, je sais pas c'est combien le debuff, tu peux plus en prendre. C'est ça. Mais est-ce que tu peux aussi la prendre quand t'as déjà un truc de poison? Je pense que oui, mais bon, c'est pas sûr 100%. À mon avis, oui, ça serait... Ouais. Mais oui, clairement, en fait, en gros, c'est à Ok, utiliser quand t'as plus l'endu, t'es vraiment dans la merde, pouf, tu la prends, t'es full l'endu. C'est quand même. ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même bien pratique, hein. Ouais, surtout sur ce boss-là, quoi. Avec le Surtout marais, le marais, la nuit, la Clairement. pluie, tout. C'est ça. C'est. Parce que le fight va durer au moins 2 jours comme de nuit, hein, donc bon. Clairement, ça va être le combat épique. Epic fight. Bon, ça vient là. J'arrive, j'y arrive. Elle est où ma crypte? C'est vrai que je n'ai pas noté les cryptes comme j'étais un peu en panique, mais je vois à peu près de tête où elles sont. C'est plus un peu plus au nord. T'avais pris ta bouffe ou pas? Parce que là, t'as pris quand même full dégâts. Oui, mais en fait, j'ai pris plusieurs fois des coups d'arc, mais comme je voyais pas d'où ça venait, je comprenais pas. Ce bâtard de meuf. Bah, il t'a pas 40 quand même, hein. Ça doit être un élite, hein, pour le coup. Hein. Enfin, lui, ça doit Et être, la quand je flèche dis un d'en. élite, ça doit être un mec avec des étoiles. Hein. Parce que 40, un archer, c'est pas un archer normal. Je dirais que c'est un archer au moins une étoile. C'est con que je Et les puisse pas flèches dans péter le le dos, ça caillou. fait très mal, hein. Et je peux pas péter le caillou. Coucou Oni, bonjour aux arrivants. Donc aujourd'hui c'est censé être une matinale, mais ça sera pas un gros live, ça sera pas vraiment une matinale non plus, parce que le but du jeu en fait c'est qu'on se prépare et que en milieu d'après-midi, en fait en gros je serai au plus tard à 16h, parce que j'ai envie de me reposer un peu quoi, c'est quand même le but, j'ai quand même envoyé des horaires d'enculé. Et donc on tombe bonne masse aujourd'hui. Plus près que jamais, là on va avoir 3 potions de poison chacun, donc ça sera la fine équipe Moon. Azedos, Natamaniac, Oh ouais, Terre mort. non! Terre mort? Oh, il y a full squelette! T'es vivant, t'es mort? J'arrive, Je suis t'es pas trop vivant loin. avec 13 J'arrive, HP. j'arrive, j'arrive. Et il y a full archer, donc j'ai plus Évidemment. d'endu. Évidemment. Si t'arrives à tenir encore. Putain, allez. J'essaye. Au pire, j'ai toutes les compos sur moi pour faire un portail, donc. Hop, 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 hop. J'aimerais bien faire C'est un par chouïa plus là. haut le portail pour le coup. Alors, je te vois, mais il y a un grand truc d'eau devant. Et là, j'ai un drork sur la gueule. Ok, je te vois. Coucou. Ah, ils ont l'air de... Ah, ils m'ont lâché. Mais pourquoi j'ai plus le. Ah, mais j'étais au point, c'est pour ça que je faisais pas de dégâts. Loul. Putain. Ok. Parce que je monte en fait hein, la masse, les buveurs, pour préparer justement. Je pense que masse à une main et masse à deux mains, ça va être la même chose en termes de compétences. J'espère en tout cas. Ce qui est cherché. Fais gaffe à l'archer, hein, te refais pas avoir. Ouais, j'essaie de voir ce qui s'il me tire pas dessus, mais. Quand tu te mets derrière un caillou, il te tire pas dessus. Hein, là, ici, c'est bon. Ouais. Là, t'es safe. De toute façon, au pire, attends, regarde. Hop, et voilà, tu peux prendre ton. Ah, il attendait, hein. Ah, mais c'est un bâtard, hein. Il attend comme un connard. Hein. J'ai récupéré une partie. Tu peux tout prendre, hein, je reste là. Donc, Ouais, je sais, c'est juste que Ah, t'as les merdes j'ai sur plus toi. un. Yes. Ouais. Il faut le Faut que temps je ramasse stacker et ça tout. en Hein. maintenant. Parce que je régénère plus vite l'endu qu'il ne me tire dessus. Hein. Comment faire pour activer les compétences obtenues sur les boss? Tu vas aux pierres d'invocation Oni et t'appuies ensuite sur F. Moi, bon, en tout cas, c'était la touche par défaut. Il faut que tu aies aux 4 pierres d'invocation qui sont situées sur sa map, un peu en mode Stone Age. Et là-bas, en fait, sur le trophée que tu as obtenu sur le boss, tu l'as suspendu logiquement à la stèle d'invocation. Et tu peux donc. C'est bueno? C'est parti alors. Hop, on se met comme ça, avec une pierre dans le dos. Sans les tranquilles. Go par là. Stuff. Okay. Bonjour VDMJM. Il y a encore une pierre de localisation de boss ici. Je crois que c'est une pierre de story ça. Non, non, au-dessus sur le. Ouais mais on peut avoir des pierres de localisation alors qu'on n'est pas en donjon. Attention, Ouais. archer, ok. Je ne savais pas. Alors, en parlant de ça, c'était l'autre possibilité que je voulais vous donner, c'est que j'ai trouvé une autre localisation de masse d'os. Après. Parce que après, Justement, il est un peu hein? loin. Ah bah Mais. regarde, tu vois, il y a un truc élite là au-dessus. Il est. Tu le verras, il a les yeux mauves.
Et il est marqué bien Proguilus dessus. Bas. Bon, attends, lui ça doit être donc à l'arc. Ok, alors attends, fais voir ça. Je le cherche. Ouais, ok, vu. Okay. Et c'était sur lui que j'ai eu le trophée. Ah, mon enduit qui fait la gueule. Bienvenue dans mais... Ah non, j'ai pas le bouclier de bille. Oh putain, le con. Je t'ai pas de dégâts avec cette masse. Lâche. Ah, y'a un autre mob qui a pop derrière. Attention. Okay. Prime. C'est bon, la bonne. La pile, elle est. Ouais, la masse de bronze là, elle est vraiment dépassée. Hein. Moi aussi, les dégâts sont complexes. Ah, j'ai plus le buff en forme, c'est pour ça. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'en chie. Putain, on sent tellement la différence. Le buff en forme, ça fait toute la différence. Ouais, il nous a en rien. Il nous a... T'as regardé si t'as pas lâché le de trophée. Nope. Je sais pas si t'avais de la place. Ah oui, non, bah c'est lieu. T'as raison, effectivement, un truc de localisation, mais c'est celui que j'ai déjà trouvé justement. Okay. Mais prends-le, hein, comme ça tu pourras le voir aussi. Quoi qu'il y a un truc en bas, attends, trophée lent, trophée de Drorg, tout court, dommage. Dommage. Non, ça on en a plus tard qu'en foutre. Ça aussi. Ok. Ok. Tac. Reprenons. Ouais, dès qu'on voit la crypte, tu fais le portail, et comme ça on pourra aller reprendre le buff en forme et tout. On en sent l'approche hein, des cryptes. Squelette devant. Je sais même pas combien je suis en vrai en... Putain, ok. Je sais même pas à combien je suis. Attendez, je regarde deux secondes mes masses. C'est quoi, c'est bâton les masses? Ouais, c'est ça. Oh, 22 ceci dit, c'est pas si mal en vrai. Je suis à 24 et je fais si peu de dégâts. T'es avec la massue de bronze aussi? Ouais. Oh non, mais elle fait de la damage. Hein. C'est juste qu'elle est dépassée en fait, hein, c'est tout. Un coup. Lock. Elle est juste complètement dépassée, la massue de bronze. Alors on sent le... C'est un RPG, quoi, hein. Y a pas de... On sent qu'on utilise des armes de l'ancien temps. Enfin, c'est la viscosité là-bas. Plus honneur, hein. Faut aller honneur maintenant. Attends. Ok, là on est au bout. Ok. Allez, Bibou. Tu m'embêtes. Chardon devant. Mais qu'est-ce que t'as, Maverick? Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Ok. Attends, j'aurais vraiment dû les noter hier, mais j'avais tellement de mobs au cul quand je les ai vus. J'ai dû fuir comme un malpropre. Sans foi ni loi. Archer devant. Okay. Trophée d'or classique, j'en ai rien à foutre. On s'en rapproche. Ah, ouais, je vois un 3 devant. Je le vois pas encore pour ma part. Sensu, il va falloir que tu marches un peu plus vite. Enfin, je l'ai entreaperçu. Tu confonds pas avec le truc à gauche vert? Ah non, je crois que j'en ai vu un, mais. De drogue ou de crypt? De crypt? De crypt, mais non, je crois que c'était la construction en bois. Ouais, le vieux truc pourri là-bas. On s'en approche. Parce que je vois pas comment on aurait pu les louper là en pleine journée. Putain, j'ai tellement pas d'enduit, j'arrive même pas à passer un tronc d'arbre quoi. Putain. Bonjour à toi. Ah, bonjour Edelon. Je sais pas si j'ai raté les gens. Désolé, on est focus. Les marécages, c'est une zone de l'enfer. Ça oblige à être bien concentré. Putain, mais je les ai vus, j'ai vu deux crits putain hier, je suis pas dingue. Qu'est-ce que t'as? Attends, bon, si ça continue, je leur ai sorti un bibou, je sais pas ce qu'il a. Ouh, ils sont venus les archers là. Ah merde, t'es allé par là, ok. Amenez-vous. Je te vois. Incoming. Ah, t'as plein de squelettes au cul là, t'es à l'aise. Hop, pétard. Bon, ça, ils font beaucoup de dégâts par contre. Squelette est derrière toi. Allez, oh, ça a volé dans tous les sens les os là.
Ah, le drog. Ouh, la sangsue. Excusez-moi. Pas de souhait. Ok. Elle a trouvé cette putain de crypte. Bordel. Bon, on est toujours pas très loin de la base, hein, si on est avec la flotte, mais bon. Ça reste un bon chemin si j'arrive à retrouver ces fucking cryptes. Ah, je suis dans en face. Ouais. On peut vraiment pas les louper au moins dans le marécage. Ça qui est cool, c'est que hybride. Le mire au feu. Azelos, t'es à la base toi? Je suis pas loin. Tu pourras nous construire un portail s'il te plaît, au pire on en fait un autre, hein. Tant pis, parce que le. Ah. Ou alors non, en fait tu reprends le portail, pourquoi? On va le renommer autrement. Ce sera plus simple. Ouais. C'est quoi en fait? J'aurais dû récupérer les composants de l'autre. Mais. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas grave, on le pètera à l'occasion. Il est noté, attends. Pas très sympa pour le portail, pourquoi? Parce que là, on va pas tarder à le faire, le portail. Putain. Cette dèche d'endure. Vivement qu'on puisse le faire, en fait, qu'on ait récupéré le boss en forme, le buff en forme, JPP là. JPP! Au secours! Tout ça pour monter la masse, hein. Ah, on est. On est les vikings, les gars. On tape avec des masses. Putain de merde. Oh, le sale coup. Je le renomme Tristesse. Allez. Vendu. Putain, fer. Ok, bon, j'ai eu le mien difficilement, mais il est mort. C'est bon, toi? Ouais, c'est bon. Ok, on a un coffre ici, thune et flèche. Je peux les prendre si jamais t'as pas de place. Flèche de fer, tu peux les prendre, ouais? Ouais. Je les remets dans le coffre dans ce cas-là. Je vais stocker aussi les trucs dont j'ai pas besoin. Ok. On va se poser deux secondes. Ok. Tristesse it is. Non mais elles sont où ces crites? J'étais pas beurré hier soir, bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah t'as quand même dû en trouver une puisque t'as ramené du feu. Mais oui, et je l'avais pas fini la crypte en plus, hein. Elle était loin d'être finie. Ça me rend ouf. Chardon encore. C'est quoi, c'est un tronc ou c'est une crypte ça? Parce que là. Ah, j'en ai trouvé une. Ah, alléluia, t'es où? T'es là. Est-ce qu'elle est déjà ouverte ou pas? C'est la question. Ouais, elle est déjà ouverte. Donc à mon avis, c'est ça que t'as dû faire hier. Ok. En partie hier, ça. Et donc en gros, c'est sur le chemin du retour que j'en ai trouvé une. Bon, après, on pourra continuer à explorer vers le nord. Parce que s'il y a masse au nord, comme tu peux le voir, c'est qu'on sait vers où le marécage se dirige. C'est ça qui est bien. Il est forcément dans le marécage, Maz, donc bon. Et bah, tu peux donc celle-là, tu l'as fini alors? Non, je l'ai pas fini non plus. Mais tu peux déjà préparer le portail. Et idéalement, à Zedo, si t'as du temps à le. Ah, oh, quoi qu'après, on pourra le faire. Parce que moi, je peux pas aller en bateau et ça m'emmerde, j'aime bien le bateau. C'est qu'il faudrait amener, tu vois, en gros, on doit pouvoir trouver les côtes les plus proches du marécage ou même de la forêt noire un peu en dessous. À l'est de nous et à l'ouest de la base. Attends, je vais aller vider ça là-bas. Y'a pas du sapin dans le coin? Ah si. Voilà. Ok. Shot level New World, j'avais pas vu les images de la nouvelle zone. Merci à Jacobi. Ravi qu'elle vous ait plu. Oh là là, quel enfer, putain. Bon, je remets la hache deux secondes, j'en peux plus là. Vas-y, viens là toi. Ok. Tiens, je me demande si je la note. Bah, j'essaie de faire prendre un peu de bon sens, tu vois. C'est pas toujours évident. Oh putain, mais je vais crever! Est-ce que t'as bientôt fait le portail ou pas? Ouais. Parce que là, moi j'ai pas plus là. Je craque. J'arrive. Y'a Fitap, hein. Putain. On peut aller buter ces bâtards. Top. Voilà. Oh mais putain, j'avais pas vu derrière.
heureusement que j'ai de l'armure. Bon là, l'armure, je sens vraiment la diff. Hein. Je vois que ça descend faiblement quand je prends les buffs. Il y a quand même un intérêt à l'armure en fer. Hein. Ah voilà, je vois une autre crypte en face. Et j'ai l'impression que... Ok, vu. Ouais, ok, ok, c'est bon. Bah écoute, fais-le ici ou pire le portail. Ouais, le portail, je l'ai fait là, près de l'autre crypte. Ah, tu l'avais, ça y est ? Ok. Bon, je vais aller, on va revenir prendre le portail, on va se délester un petit peu. On va être prêt. De toute façon, après, il faudra qu'on... En fait, en gros, il faudra qu'on... En bateau, il faudra faire plusieurs étapes. Aller au premier portail ici, puis il y a 37 de fer là-bas récupéré. Et Attends, c'est Tristesse qui l'a mis. Tristesse, ouais. Ah bah il fallait Jacobi, hein. Il fallait en parler parce que visiblement moi je pensais que c'était une évidence, mais bon, au moins là maintenant, voilà, on pourrait pas dire que c'est pas précisé. Ok, bien, merci Moon, bien joué. Bon, on va pouvoir se délester et retourner plus fort que jamais. Prendre le buff et me sécher. Tu sens qu'il a quand même un peu du mal à charger toute la carte d'un coup. Hein. Ça commence à être... À être costaud, ouais. Ici. C'est ici. Alors, tac, tac, tac. C'est une 3080 que toi tu veux, Moon, c'est ça? Ouais. Ok, ok, ok. Non, il n'y en a pas au cas où, hein. Je regarde un peu de temps en temps. Mais... Il n'y en a point. Ok, buff reposé. Je prends même le buff reposé avant de me vider en fait, parce que c'est juste mieux pour se balader ensuite dans la ville avec la régène d'un dessus. Craque tellement avec ça. Alors, plume, ça va ici. Les piastres. Allez, ça, si on arrive à choper une autre, un autre trophée de Rogue Elite. Bon, après, même, c'est vrai que juste une massue de fer à une main, elles ont les mêmes dégâts. C'est vrai que pour burst le boss à une main, c'est quand même pas mal hein, pour taper comme des oufs. Il a pas tort là-dessus. Ah non, c'est vrai que. Rien que déjà avec celle de bronze, je pouvais taper jusque. Je faisais le 80, je crois. Je t'ai vu faire un 90 plus. À ce point-là, ouais, Ada. Et tu vas faire quoi, ta 3110? Oh, je pense que tu peux la revendre sans problème. Hein. Ah, ouais, donc tu faisais vraiment des dégâts de ouf avec la. Il est vraiment. De toute façon, tu faisais que du crit. Quasiment, oui, mais bon, ouais. Je t'avoue que les peu de fois où j'ai pu taper à cause des Z et du peu de rejet de délit que j'avais. Là. Ah, Trix la récup. Ah, c'est un joli cadeau. Ouais. C'est un joli cadeau que tu lui fais. Ou tu lui vends. Bon, c'est pas moi. C'est pas mes oignons après, mais c'est du beau cadeau en tout cas pour Atrix Eniven. Quoi qu'il en soit. Mais si vous faites un prix l'ami, c'est cool. Surtout que c'était une Founders que t'avais chopé, non? C'était une 3110 Founders ou une custom? Viande crue, c'est là. Custom, d'accord. Les chardons, on les met ici. Pour encore refaire les saucisses, tiens, je vais les faire, ce sera fait. Hop là. On n'a jamais assez de saucisses, de toute façon. Voilà. Les armes, je suis bon. Et on va y retourner, ouais. Ok. Ok, ok, après ouais, il faudra faire un voyage en bateau en fait pour récupérer. Mais là franchement on peut s'en sortir avec 100 fer et on se fait plaisir. Il faut on essaie de passer les masses niveau 2, mais c'est juste, en fait c'est même pas pour la dégâts, c'est pour la durabilité hein, le niveau 2. Hein. C'est clairement ouais, pour la durabilité que c'est plus intéressant quoi. Quand je vois l'arc de fer, franchement, niveau 1 ça valait pas le coup presque. Il se cassait tellement vite que... Ouais, ça fait vraiment la diff, la durée là-dessus. Ok, je vais stocker les trucs. Et ça sera bono pour moi aussi, j'ai bien répas. J'ai encore un peu de flèche pour les blobs, ça suffira. Ouais, ça me tente pas de toi ça, Darlex, bizarrement. Ça me surprend pas les masses venant de toi, tu vois. Tu fais un peu la patate là-dessus, mais bon, écoute, hein. Si t'as le pognon de te faire plaisir et de reprendre une nouvelle carte graphique, en vrai, c'est ton pognon, hein. Fais-toi plaisir, mec, hein, sincèrement. elle est où la résine? En haut, dans le coffre, il n'y a pas de... Pas de truc de panneau. Ah, okay. Ah oui, bien vu. Paf. Hop, les os, les crocs. Chêne, on a un truc ou pas? Je sais plus. Chêne, non, on les mettait ici, je pense, devant le four. Oui, il y en a encore 24 ici. On part
parlant de résine, en fait, je vais la garder. Comme ça, il y a une Natamania qui va être contente. Ça va nous casser les couilles. Bah, tu viens quand d'ailleurs en jeu, Nat-Nat, résultat? Je sais que t'es en journée de repos, mais pas de... t'es pas en journée de repos de geekage. Soyons réalistes. Le trophée, je le pose là-dedans. Ok. Bon, ouais, à Fernion, on pourra aller se coucher. On est que tous les trois. Ouais. Comme ça, on pourra aller au crit en fin de journée et tout, on va être au top. Hein. Ok. Ah, mais il y a encore plein d'échardons ici. Oh la vache. Il y en a 68. Ah, parfait. Attends, je vais refaire les full saucisses. Non, quoi que ça sert à autre chose, hein. Pas que les saucisses. C'est vrai que ça sert à... ça sert à tout, hein, les charbons. Ouais, c'est pour ça, j'avoue que... Faudrait qu'on aille refaire un peu de bois aussi, je vois qu'on a, on a vidé de nouveau les stocks. Yep. Bah, on fait les cryptes, moi j'irai bien faire le bois après. Tout pendant que toi... Je ferai le bois pendant que tu fais l'aller-retour, le trajet en bateau. Ouais, ça marche, je vais faire ça. Ça me semble pas mal. J'irai m'en occuper. Tac, 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 tac. 20, 20. 25, 15. Bon, le Black Bear, on en a vraiment plus tard qu'on en foutre. Hop, voilà. Mais ouais, en vrai, les élections rendues. Ok! Eh bah écoute, moi je suis prêt à me coucher, j'ai pris les petites bouffes, bon, rien d'incroyable, mais ça fera le taf. On devrait maintenant, on prendra plus les dégâts de ouf. Allez au dodo, messieurs. À deux secondes, je finis ma popote. Ah, voilà, bravo, il nous fait perdre du temps, c'est pas outil, on va être métal du cul là, monsieur. Alors, vaut mieux le faire avant le jour, justement. Ça vaut. Ryzen. Ils ont tellement craqué. Alors. Et t'es prêt, avoue qu'Adar Alex, t'es presque tenté par la 3090. Avec ses 24 gigas de mémoire, justement, si toi tu les utilises. Avoue. Avoue que tu y as pensé à plusieurs reprises. Je te connais trop. Je ne vous connais que trop bien, cher Adar Alex. Putain, il y en a une actuellement à mort de rire, à 2600€ sur Amazon. Et c'est une Founders de merde dégueulasse en plus, avec un seul ventilo. Ouais. Mon dieu. Que t'as déjà pensé à prendre une 3090 pour profiter des justement les 24 gigas de mémoire pour faire des conneries. Hein. Avoue que t'as été tenté. Hein. Ok, j'arrive. Allez, joins-toi, nous, on est bien. Ça m'a traversé l'esprit, mais non, la ligne tiendra pas, tu m'as dit. T'as quoi déjà en anime? 850 watts, c'est ça? Ouais, non, c'est des... c'est faux. Enfin... Non, pas, non, avec 5900, c'est 1000 watts. Je m'endors. Il faut 1000 watts. 5900 plus, c'est 3090. Il faut être 1000 watts pour être pépère. T'as quoi là en aligne? Mais même, t'as au moins une 850 hein, pour la 3080. Hein. Parce que si t'as 650 ou 750, ça suffira pas. Hein. Je précise au cas où. Je sais plus, mais je crois que je t'avais fait prendre. Je t'avais fait prendre une 850, il me semble. Ok. Je commence à douter.